Bonjour frères et sœurs, c'est encore un plaisir de vous retrouver dans notre émission, là où nous parlons technologie et ressources du message du temps de la fin. Mais avant de continuer, je vous invite à vous abonner au service WhatsApp de la Voix de Dieu. Si vous ne l'avez pas encore fait, en tout cas vous êtes en train de manquer de bonnes choses. Il y a des articles intéressants qui sont publiés à travers ce service. Imaginez, la dernière visite de frère Branham en Afrique du Sud a été publiée en vidéo. Une vidéo jamais publiée auparavant a été publié à travers ce service. Donc, cliquez dans la description, vous verrez le lien, ça vous prendra juste 2 minutes pour vous inscrire. Inscrivez-vous et puis on se retrouve juste après. Il y a tellement de nouvelles intéressantes du côté de la voix de Dieu. En tout cas, nous vous exhortons à visiter ce site chaque jour. Vous aurez toutes les informations qu'il vous faut. Ici, vous n'aurez pas ces informations, mais ce n'est que sur le site de la voix de Dieu où vous aurez ces informations. Et vous savez, l'application La Table, c'est l'application du message la plus utilisée. Nous aimons beaucoup cette application. Il y a le message en audio, le message en écrit. Vous avez tout le message de frère Branham dans votre poche. Il y a aussi une fonctionnalité que nous aimons dans cette application, c'est Highlight, surligner ses citations. Imaginez que vous avez déjà surligné plus de 1000 citations. Une fois que vous perdez votre téléphone ou que votre téléphone se casse, il était presque impossible de retrouver ces citations. Mais les ingénieurs à la voix de Dieu ont travaillé d'arrache-pied et ils ont mis à jour la table et ont publié une nouvelle fonctionnalité qu'ils appellent VGR Cloud, le serveur de VGR. Cette fois-ci, vous ne pourriez plus perdre vos données. Comment faire pour ne pas perdre ces données? 1. Vous devez créer un compte VGR. À partir de l'application La Table, vous vous connectez à votre compte et le compte se connecte au serveur VGR. Une fois que vous avez surligné vos citations, l'application va prendre vos citations et envoyer au serveur VGR de votre compte. Si vous perdez votre téléphone, ce que vous avez à faire, c'est simplement de se reconnecter à votre compte et puis d'appuyer sur Restauration. Voilà vos citations favorites qui reviennent dans votre téléphone. Il y a un magazine de la Voix de Dieu appelé Cupcorn. C'est un magazine destiné aux tout petits. Et il y a déjà plus de 33 numéros en anglais. Le numéro 16, 17 qui existaient en anglais sont désormais disponibles en français. Allez simplement sur cupcorn.org, vous avez accès à ces deux numéros. Ou à partir de votre tablette, faites la mise à jour, vous avez accès à ces deux numéros. En tout cas, nous exhortons les parents à aller sur ce site pour pouvoir lire ces magazines. C'est tellement intéressant, il y a tellement de trucs bénissants pour votre foyer, pour vos enfants. Vous savez, frère Joseph s'intéresse à l'épouse. Qu'il soit adulte, enfant, il se préoccupe de tout le monde. Et il crée tellement de ressources pour pouvoir garder les parents, les enfants, les familles, tout le monde dans la parole. Et cette année, il a introduit quelque chose de spécial, une autre ressource. Vous savez, ici, nous parlons technologie et ressources du message. Donc, il a introduit une autre ressource. Et ça s'appelle lire la Bible en une année. Donc, chaque jour, vous avez un certain nombre d'écritures que vous allez lire à partir de janvier jusqu'en décembre. De telle sorte que si vous arrivez en décembre, vous aurez lu toute la Bible. Lire la Bible en une année a deux versions. Il y a la version chronologique où vous lisez les écritures de la Bible chapitre après chapitre en suivant la chronologie. Donc, si vous commencez en janvier avec la Genèse, en décembre, vous lirez Apocalypse. Ou la version pêle-mêle. Chaque jour, vous avez un certain nombre d'écritures se trouvant dans différents livres de la Bible. C'est vraiment un programme intéressant, surtout pour les parents et les enfants, à rester dans la parole. Et ça vous encourage à lire votre Bible chaque jour. Si vous êtes intéressé à ce programme et que vous voulez que votre foyer participe, vos enfants,
N'hésitez pas à contacter ce numéro. Il y a des frères et sœurs qui vous enverront le fichier en français. Nous passons maintenant à l'activité la plus populaire de Young Foundations. Il s'agit des quiz. Nous allons vous donner les titres des bandes qui ont été sélectionnées pour être écoutées pendant ce mois de janvier. Donc, il s'agit des deux questions-réponses du 3 janvier 1954. Question-réponse du 3 janvier 1954, matin et soir. Ce sont les deux bandes sélectionnées pour les francophones pendant ce mois de janvier. Et pour les parents qui désirent faire participer leurs enfants ou des jeunes qui veulent participer, contactez simplement le numéro qui est sur votre écran. Il y a des frères qui vont vous aider à créer des comptes et ils vont vous expliquer le programme, comment ça fonctionne, comment les quiz fonctionnent. Ils vont tout expliquer. Donc, contactez-les, ils vont vous aider. Oui, nous sommes à la fin de notre numéro. Nous voyons que la voix de Dieu est vraiment une grande source de bénédiction. Et pour cela, certains croyants au Congo, Cameroun, Togo, Ghana, Canada, Haïti n'ont pas voulu passer ces fêtes de fin d'année à la manière des païens. Ils ont utilisé les ressources de la voix de Dieu afin de pouvoir garder leur foyer, leur famille, leurs églises dans la parole. Donc nous allons vous montrer quelques images de ce qu'ont fait ces croyants-là. Et puis, on se dit au revoir à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse.